Ah, vous tombez bien. Allez donc servir le dîner. Apportez-moi le thé dans le petit salon. Vous débarrasserez. Mais cessez ce vacarme! Vous allez réveiller la marquise! Faut aller chercher madame! J'y vais. Madame! Madame! Dépêchez-vous! Madame! Quoi? Si vous venez encore pour m'importuner... Votre mari! Madame. Merci. Monsieur. Qui dois-je annoncer? Les inspecteurs Litson et Orano. Bien. Très belle demeure. Suivez-moi, je vous prie. En effet, Litson. Madame la marquise, les inspecteurs. Madame Orano et Monsieur Litson. Je vais vous conduire au petit salon. Le docteur de Kruger s'y trouve déjà. Très bien. Litson, vous avez mon carnet ? Évidemment. Merci. Bonjour, docteur. Docteur de Fouille. Bonjour. Bonjour. Savez-vous à quoi remonte la mort? C'était hier soir. Et qui a trouvé le corps? Milo, le majordome, le valet. Le majordome ou le valet? Le valet. Avez-vous remarqué de quelconque trace sur le corps? Rien de spécial. Très intéressant. Et qu'êtes-vous en train de rédiger? Le certificat de décès. C'est insoutenable, je vais aller prendre l'air. Très bien. Allons-y. Thank you.
Madame, nous souhaiterions vous poser quelques questions. Très bien. Tout d'abord, quand avez-vous vu pour la dernière fois votre mari ? C'était au moment du dîner, hier soir. Il est parti sans même avoir terminé son assiette. Savez-vous où est-il allé ? Il a demandé à ce qu'on lui serve le thé dans le petit salon. Était-ce dans ses habitudes ? Oui. Oui, Charles-Philippe aimait beaucoup boire son thé le soir au coin du feu. Votre relation ? Nous avons toujours été très proches, mais ces derniers temps, il semblait s'éloigner un petit peu de moi. Il était préoccupé. Avait-il des pulsions suicidaires ? Mon mari ? Certainement pas. C'était un homme heureux, vous savez. Un bon vivant, il n'aurait jamais sauté le pas. Vous aviez des problèmes d'argent ? Non, pas à ma connaissance. Il avait beaucoup hérité du côté de son père et il maniait très bien les finances. À présent, j'aimerais bien rester un petit peu seule. Oui, bien sûr. Sinon, vous laissez faire votre travail. Voici vos chambres. Monsieur, madame. Merci. Mais dites-moi, mon cher monsieur, entreteniez-vous de bonnes relations avec votre marquis ? Nous entretenions une relation marquis-majordome, assez cordiale. Et aviez-vous décelé certaines tensions avant sa mort ? Pas que je sache. Que pensez-vous de madame ? Ah, madame, c'est une femme brillante, pétillante. Et le couple marquis-marquise, était-il solide ? Effectivement, ils étaient très fidèles. Bonne nuit, ma chère Orano. Bonne nuit, Litson. T'as vu les désinspecteurs ? On a pas le droit de sortir. Milo, Milo ! Viens, chez le père, s'il te plaît. Ouais, moi aussi, ça me déplaît. Vas-y, j'y retourne, je suis tout à Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Nous souhaiterions vous interroger à propos du décès du marquis de Fromenteau. Bien sûr, asseyez-vous. Tout d'abord, nous souhaiterions savoir depuis combien de temps le connaissez-vous ? Je le connais depuis qu'il est jeune adulte. Je le suis depuis qu'il est jeune adulte aussi. Et quelle relation entreteniez-vous avec lui ? Une relation très amicale, très proche. Et l'autopsie ? Aucune trace de bleu, de strangulation, pas de débat. C'est une mort lente. C'est presque une mort naturelle. Et son carnet de santé ? Monsieur Charles-Philippe de Fromenteau, excellent sportif, pas de maladie cardiovasculaire. Un accident de cheval il y a 5 ans. Des séquelles ? Oui. Il ne se sert plus que de sa main gauche maintenant. Souhaiterions vous l'emprunter pour des recherches approfondies ? Bien sûr. Merci. Des tensions au sein du château en ce moment ? Non, tout le monde l'aimait ici. Personne ne voudrait sa mort. Très bien. Ah, bien, mon café. Je vais aller le prendre en extérieur. Vous tombez bien, cher monsieur, nous souhaiterions vous interroger vous aussi. Mais dites-moi, mon brave, vous qui êtes les yeux et les oreilles de cette maison, n'avez-vous pas vu hier, ni entendu, la marquise et le majordome se disputer ? Vraiment pas. En êtes-vous certain ? Milo, Milo, Milo. S'il y a une chose que je déteste, c'est bien les menteurs comme vous. Avec Litson, on vous a vu hier soir, alors je vais répéter ma question. Avez-vous vu la marquise et le majordome ensemble ? Eh ben voilà ! Sont-ils amants ? Venez, Orano, nous avons autre chose à faire. Vous pouvez disposer.
Et le serviteur, Milo? Oui. Pensez-vous qu'il dise la vérité? À propos de la relation entre la marquise et le majordome? Exactement. Ça me paraît peu probable. Pourquoi la marquise aurait-elle une relation avec un majordome sans argent ni pouvoir? Et hier soir, ils se sont bien disputés. Pour moi, ils ne s'entendent pas très bien. Et si ce meurtre avait été commis par le majordome, cela aurait pu expliquer cette réaction? Si je vous suis bien, le majordome serait le coupable et l'aurait dit à sa maîtresse le lendemain qu'il aurait très mal pris. Très bonne analyse, ma chère Aurane. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Marcel Paul. Et quelle est votre mission ici? Je suis le jardinier du domaine. Le marquis était-il un homme exigeant? Le marquis était très bon avec moi. Et aviez-vous beaucoup de travail? J'en ai énormément. C'est un grand domaine. Surtout depuis que mes bosquets ont été détruits. Et que mes lauriers roses ont été piétinés. Vos bosquets, vous avez dit? Oui, en effet. Et c'est la première fois? Oui, en effet. Et avez-vous une idée de qui aurait pu causer cela? On ne sait pas quoi vraiment m'essayer ici. Orano, un tour en cuisine s'impose. Effectivement. Bonjour. 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 Vous êtes bien le cuisinier? Oui. C'est donc vous qui avez préparé le thé de monsieur? Effectivement, oui. Celui-ci? Oui, c'était sûr. Était-ce dans ses habitudes? Vous permettez, Litson? Bien sûr. Oui, c'était dans ses habitudes. Et connaissez-vous le jardinier? Oui, on en coopère souvent, il fournit les plantes et moi je les cuisine, je les prépare. Vous avez entendu parler de ces lauriers roses? Les lauriers roses, moi je sais, j'en mets pas dans les plats, c'est hautement toxique. Très bien. Merci beaucoup. Si nous avons d'autres questions... Nous reviendrons vers vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Un détail nous échappe. Il nous manque quelque chose. Main droite, main gauche. Main droite. La tasse de thé, il la tenait dans la main droite. Oui, mais le médecin nous a dit qu'il était gaucher depuis son accident. Ça exclut complètement l'accident ou le suicide. J'ai trouvé du laurier rose dans la boîte de thé. Ça m'était sorti de l'esprit. Mais... Votre hypothèse est donc l'empoisonnement? Évidemment. Vous vous souvenez, le jardinier nous en avait parlé? Oui, oui, oui. C'est l'oreille rose avait été piétinée? Piétinée, c'est ça. C'est ça. Mais le problème, c'est que ça peut être n'importe qui, n'importe quand. Le majordome. Allons voir ça. En plus, il est potentiellement en relation avec la marquise. Mais dites-moi, madame la marquise, depuis combien de temps entretenez-vous cette relation secrète avec le majordome? Je ne vous permets pas. J'ai toujours refusé ses avances. Dans ce cas, pourquoi le garder au château? Monsieur Lawson est indissociable de cette maison. Il a toujours travaillé pour nous depuis que mon mari a hérité. Charles-Philippe et lui étaient très proches. Mais depuis que celui-ci n'est plus, j'hésite à lui écrire une lettre de recommandation. Et où étiez-vous hier soir? J'ai eu une légère confrontation avec le majordome et j'ai dormi seule. Bien, nous nous reverrons après. Vous avez remarqué? Oui. Allons voir une tasse de thé. Bonne idée. Vous demandez sans doute. Pourquoi vous êtes réunis ici? Vous avez vu, Litson et moi avons finalement résolu le meurtre de monsieur. Vous aviez tous ici un mobile valable pour le tuer. Évidemment, plus ou moins visible. Mais c'est sur vous, monsieur. Monsieur le majordome, qu'il fallait se concentrer. Vous avez toujours été épris de madame la marquise. Cela ne vous regarde pas. Bien au contraire. Malheureusement pour vous, celle-ci n'a jamais cédé à vos avances. La mort du marquis vous aurait été profitable. La marquise se serait donc peut-être tournée vers vous. Mais l'histoire est derrière ça bien plus complexe. La marquise ne vous a jamais cédé, non pas par amour pour son mari, mais pour le docteur de Kruger. Votre plan était presque parfait. Vraiment d'infime erreur. La première étant que vous êtes revenu sur la scène de crime. Pourquoi diable être revenu sur la scène de crime? Pour remettre la tasse. Qui plus est, dans la mauvaise main du marquis. Nous savions qu'il était gaucher, alors pourquoi la mettre dans la main droite? Ce fut votre première erreur.
De plus, vous avez des connaissances en botanique. Vous saviez pour les lauriers roses. Mais je ne vous permets pas. C'est honteux! Madame, ne vous en offusquez pas. Vous avez pourtant prémédité le meurtre avec lui. Le cigare du docteur n'était-il pas sur votre commode tout à l'heure? Le niez-vous? Vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Dans ce cas, vous ne verrez aucune objection à boire du thé. Celui de votre mari. C'est ridicule! Eh bien, docteur, venez, venez. Ne restez pas à l'écart. Nous avons encore besoin de vous. Merci bien. Buvez. Et vous aussi, buvez. Allons régler ça au commissariat. Je pense que tout est dit.